Bienvenue à l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir un chrétien fort. Ah. Ça vous va, messieurs, comme programme Très bien. Très bien. La force est avec nous. La force est avec nous. <laughs> on est euh, avec deux hommes aujourd'hui pour parler de la force parce que c'était quand même mieux d'avoir des hommes pour parler de ça. Un Mais on est <laughs> et un peu <un> moins. <rire> <rire> et on va voir que la force ne se situe pas seulement dans les muscles. Ah, ah, oui. amen. <laughs> on va parler de force spirituelle, amen. comment être équipé, on va voir qu'il y a des dangers euh, qui peuvent venir attaquer notre foi et euh, nous rendre plus faibles et on va voir surtout avec toi Omer dans la rubrique conseil du coach euh, comment devenir un chrétien fort. Oui, excellent. Donc on va parler de cinq actions à poser pour être un chrétien fort car tout chrétien peut devenir un chrétien fort. Ouais, ça c'est encourageant. encourageant. Et c'est le désir hein. de Dieu même. Amen, amen. C'est encourageant. Donc si vous vous sentez faible aujourd'hui, vous avez l'impression que votre foi est petite, bah, vous l'avez entendu, tout chrétien peut devenir un chrétien fort. Donc cette émission va vous équiper, j'en suis certaine. Et on va la commencer tout de suite avec toi, Jérémy, dans la pensée du jour. La chair est faible, c'est pourquoi. C'est le titre de ma pensée aujourd'hui et je vais me baser sur un passage de Jésus dans Luc au chapitre 21 qui dit ⁇ Faites bien attention à vous-même de peur que votre cœur ne s'apesantisse au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil et priez en tout temps afin d'avoir la force afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le fils de l'homme donc on veut aujourd'hui vous encourager à être fort face aux difficultés face aux tribulations les apôtres le disaient tous en cœur c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu le seigneur Jésus lui-même a été tenté en toutes choses comme nous mais au-delà même des tentations de la vie, des distractions de la vie, des événements difficiles, nous devons nous fortifier parce qu'il y a euh, des circonstances, des problèmes, des attaques sataniques, toutes sortes de choses qui peuvent venir contre nous. Alors, euh, Yveline, aujourd'hui, j'ai pris euh, mes gants de boxe. Alors, ils sont <laughs> tout neufs, ceux-ci. Mais lorsque je faisais de la boxe, lorsque j'étais plus jeune, eh bien, il fallait euh, s'entraîner, bien sûr, pour pouvoir faire des combats. Et quand j'ai voulu euh, commencer à faire des combats euh, entre guillemets hein, professionnels, euh, j'avais non seulement des entraînements réguliers, mais euh, il fallait que je passe par un examen médical poussé. Donc, on a, euh, voilà, on a fait une auscultation cardiaque. Je me souviens avoir dû euh, faire du vélo dans un cabinet médical. J'en pouvais plus. À la fin, Il fallait qu'ils puissent tester mon cœur s'il mmh. était assez fort pour mmh. faire euh, du combat. Et on ne doit pas oublier que nous sommes dans un combat spirituel, le combat de la foi. Des fois, on peut être surpris, on peut être étonné de ce qui, peut, de ce qui nous arrive, étonné d'être affaibli spirituellement, étonné d'une attaque satanique, on ne l'avait pas vu venir. Ça peut venir par un rêve, ça peut venir par une critique, ça peut venir par une difficulté financière, toutes sortes de choses qui peuvent nous atteindre. Et des fois, on se prend des coups sans même le réaliser. Et au bout de 1, 2, 3 jours, on réalise qu'on est faible spirituellement. C'est comme si le ciel s'était fermé. On se pose la question, on se dit mais pourquoi, ce, pourquoi je suis comme ça Pourquoi est-ce que Dieu a un problème avec moi Qu'est-ce qui se passe En fait, on se prend des coups sans le réaliser. C'est pourquoi on a besoin de se fortifier, mm -hmm. on a besoin de s'entraîner. L'apôtre oh, right. Paul, il en parlait, il dit moi je m'impose toute espèce d'abstinence pour pouvoir courir le but, pour pouvoir atteindre le but, courir à la course. Et on a besoin, nous aussi, c'est jour après jour, nous avons besoin de nous fortifier. On ne peut pas aller comme certains soldats le faisaient pendant certaines guerres, aller la fleur au fusil. Nous avons besoin de nous préparer, nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Donc Jésus dit qu'on doit rester en éveil et prier en tout temps pour avoir la force de nous sortir de ces temps difficiles qui arrivent. Face également aux distractions de la vie, face à différents problèmes, on peut se retrouver comme l'apôtre Pierre et les disciples endormis au moment justement où il ne fallait pas être endormi. C'était le moment où il fallait être fort, le moment où il fallait veiller, mais ils n'ont pas su se préparer comme il fallait. Alors, oui, la chair est faible, c'est pourquoi on a besoin d'entraînement et cet entraînement, c'est jour après jour dans le Seigneur. À force de méditer la parole de Dieu, à force de prier jour après jour, c'est comme ça que nous nous fortifions dans le Seigneur et que nous pourrons tenir ferme quand le jour de l'adversité arrivera. Amen. 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 Merci Jérémie. On a besoin d'être fort. Comme tu l'as dit, on est dans un combat et parfois on oublie ça. On peut avoir une vie un peu tranquille et puis les choses se passent bien et puis on a une semaine, un mois, deux mois, c'est cool et puis on n'a pas trop eu d'épreuves, ça s'est bien passé. Ben gloire à Dieu. Et on peut se relâcher un peu et oublier en fait qu'on est euh, comme un, un, un soldat qui peut partir au front d'un jour à l'autre. Euh, s'il n'est pas entraîné, s'il n'est pas prêt, arriver au front, il va se faire dégommer en deux secondes. On doit ouais. être prêt. Pour être prêt, il faut connaître des tactiques, il faut être équipé, il faut connaître notre ennemi, il faut savoir comment on va devoir faire pour esquiver ses attaques. Et toutes ces choses, c'est une préparation qui doit être faite et il faut être conscient. Que nous avons aussi nous-mêmes nos propres faiblesses. Un bon soldat va connaître que peut-être euh, il a une faille, ou si on reprend l'exemple du boxeur, hein, on sait que chaque boxeur, si je ne me trompe pas, je ne suis pas experte, mais a, comme euh, peut-être il est un peu moins bon euh, du côté gauche, Et il a une... S'il a été blessé, par exemple, à un, un endroit, bah, l'adversaire va essayer de, de frapper, frapper exactement là, parce qu'on sait qu'il est plus fragile, exactement. Ou les souvenirs des anciens combats. <laughs> aussi, qui traumatisent, qui qui traumatisent, ouais. effectivement. Donc c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on mm -hmm. doit être toujours toujours alerte, toujours prêt à intervenir. Et notre verset du jour nous donne un conseil important, Colossiens 2 au verset 6 et 7. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en Lui, construisez toute votre vie sur Lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. On voit l'importance, en fait, d'être uni à Christ parce que euh, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, je ne veux pas empiéter sur ton conseil du coach, mais notre force ne nous vient pas de nous, bien évidemment. Notre force nous vient de Christ et nous avons besoin d'être enracinés en Lui pour rester forts. Amen, amen, amen. En tout cas, euh, merci pour les gants. Donc, euh, là, <laughs> non, mais en fait, ça nous donne l'image de l'exercice quotidien mmh. que le chrétien doit faire. Et ce que j'aime dans le, 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 le mot qui est revenu, dans ce que Jérémie disait, c'est le mot entraînement. Le mot entraînement. Mmh. Entraînement avant le combat. Ce n'est pas ce que je fais le jour de l'adversité. Mmh. C'est ce que j'ai fait. Les jours qui ont précédé l'adversité. Parce qu'on voit beaucoup de chrétiens que soudainement ils sont sous attaque. Là, ils commencent à chercher dans la tête des versets bibliques. Qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet? Mais si j'avais fait mes lectures quotidiennes, si je m'étais nourri de la parole au quotidien, le jour de l'attaque, le Saint-Esprit qui est en moi fait monter ces versets-là en moi et je sais comment répondre à l'adversaire. Quand Jésus a répondu au diable dans le désert, c'est parce que depuis son enfance, ben, il lisait le, la Torah pour euh, la Torah et c'est comme ça qu'il a su répondre directement au diable et mm -hmm. souvent on a du mal parce que on n'est pas nous-mêmes disciplinés pour faire nos entraînements et donc je crois que l'image des gants ici représente réellement ce que ce, ce, cette pensée euh, de, de Jérémie euh, veut véhiculer à tout le monde d'avoir toujours nos gants à portée des mains. Mm -hmm. C'est ça, j'aime beaucoup dans le les livre les à Timothée, donc quand l'apôtre Paul parle à Timothée, il parle ou même dans le, le Nouveau Testament, euh, de cette image d'être versé dans les Écritures. Euh, L'apôtre Paul l'a été lui-même quand il était jeune, il a été versé dans la parole de Dieu. Et ça, c'est cette méditation quotidienne. Euh, je l'ai dit dans Pré-inspiré, j'aime le répéter en ce moment. Euh, je ne suis pas quelqu'un forcément qui lit pendant des heures la Bible, mais par contre, je, je la lis tous les jours. Et c'est ce petit temps qu'on met à part tous les jours. Je me souviens quand j'étais petit, j'aime le répéter. Euh, tu le sais Evelyne, hein? <laughs> euh, chaque soir euh, dans mon lit je lisais la Bible et c'est en fait c'est un soir après l'autre et une semaine après l'autre et un mois après l'autre et pendant que les autres bah, s'endormaient simplement euh, les autres les adolescents moi je lisais la Bible ah. et ça m'a amené à être versé dans les écritures et comme tu le disais bah, être fort en fait c'est un entraînement quotidien dans les écritures. Mm -hmm. euh, la Bible parle dans proverbes au chapitre 7 d'un jeune homme. Euh, d'un jeune homme stupide qui s'est approché tranquillement de la maison de la femme adultère ou de la femme prostituée. Euh, dans la vie, on sait qu'il y a beaucoup d'ennemis qui voudront affaiblir notre foi. Ce sont des de balade hein, qui sont là dans, à l'époque de Néhémie, que le diable envoie pour nous affaiblir, pour nous faire fléchir, pour nous faire détruire. On est dans une véritable guerre spirituelle. Ouais. Alors ce ne sera pas des de balades comme à l'époque peut-être, euh, ce sera peut-être pas euh, comme le jeune homme stupide qui marche et il y a une femme adultère qui vient. Euh, ce sera toutes sortes de choses qui viennent auxquelles on n'a pas forcément été préparé, on ne s'y attendait pas, ça arrive au moment où on ne, on ne pensait pas, comme les disciples dans la barque, la tempête se lève, ils s'imaginaient pas ça, tout avait l'air tranquille. C'est Jésus qui leur avait dit en plus d'aller de l'autre côté. Donc euh, ils n'avaient pas pensé que ça allait arriver, mais c'est arrivé. Et qu'est-ce qui va faire qu'on qu va pouvoir s'en sortir quand ça va arriver C'est justement, comme tu le disais, les, les jours qui ont précédé tout l'entraînement qu'on a eu pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, qui, vont nous, qui va nous rendre forts, en fait. Petit à petit, on va devenir de plus en plus forts. Donc, euh, on doit être vigilant pour ne pas se laisser surprendre. Lui, il a été surpris, ce jeune homme euh, stupide, la Bible dit dans Proverbes chapitre 7, parce qu'il est en train de marcher euh, tranquillement, comme un, comme un simplet, on va dire, et euh, une femme l'aborde et elle l'agrippe, la Bible dit qu'elle l'agrippe et qu'elle commence à l'embrasser. Euh, et euh, il a l'air de refuser pendant un temps, mais la Bible dit qu'à force de le séduire, à force de parole, elle réussit à le séduire, et il va le suivre comme une bête qui va voilà, mmh. à l'abattoir. Mmh. Et donc, il se fait avoir parce que il n'avait pas assez de force. Il a tenu un peu, il a résisté un peu, mais finalement, elle le séduit à force de parole. Donc, à force de parole, et c'est comme les tentations, ça, ça vient une fois, ça vient deux fois, ça vient trois fois, tu résistes. Mais après, si tu as tout donné, en fait, ce que mmh. tu avais comme réserve de force, de foi, de parole de Dieu, bah après, tu es, es, es faible, tu es affaibli. Et c'est pourquoi bah, certains croyants, il y a un jour qui passe, deux jours qui passent, OK, ils tiennent bon, trois jours qui passent dans l'épreuve, euh, une semaine qui passe, OK, mais après, ils ne se rechargent pas. Et du coup, bah, le huitième jour ouais. ou le neuvième jour, paf, ils tombent et, ça. et ça peut faire mal. Mais tu vois, dans l'exemple de, de ce, ce jeune homme ou ce, cet homme stupide, c'est la Bible qui le dit, oui, c'est pas ça. nous. Hein. <laughs> on sait pas Mais, qui c'est, non On ne sait pas. Mais en tout cas, on voit qu'il avait certainement une faiblesse à mmh. ce niveau-là. Et sachant qu'il avait peut-être une faiblesse avec les femmes, voyant une femme approcher de lui comme ça et la le réflexe aurait dû être parce qu'il est préparé, il connaît sa faiblesse, il, il s'est préparé comment réagir. Le réflexe, c'est de repousser et de fuir. Mmh. Au lieu de ça, il a parlementé avec elle, il s'est laissé embobiner. Et très souvent, les chrétiens, en fait, on néglige nos propres faiblesses. On sait qu'on est plus faible dans certains domaines. Certains ont peut-être beaucoup de facilité, je ne sais pas, je prends l'exemple des finances. Croire pour les finances, c'est facile pour certains. Et par contre, croire pour la guérison divine, là, c'est compliqué. Il y a besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Ou certains vont avoir une faiblesse avec certains péchés. Des péchés dans leur vie vont être beaucoup plus difficiles. Quand la tentation arrive, vraiment, ça devient difficile à résister, alors que pour d'autres, c'est très facile. Quand on connaît nos faiblesses, on sait... Ça nous permet que quand l'attaque vient par rapport à cette faiblesse, on a la bonne attitude immédiatement pour repousser cette attaque. Parce que le but, ce n'est pas de se laisser vaincre et une fois qu'on est à terre, finalement, de péniblement réussir à se relever. Et le but, c'est de ne même pas tomber à terre, c'est de rester debout, bouclier de la foi, armé et l'attaque rebondit pratiquement mmh. sur nous parce qu'on a été préparé comme un bon soldat. Ou même on ne la sent pas mmh, tellement que on encore est devenu mieux. grand, on, on ne la sent même plus mmh, parce mmh. qu'on a grandi, on est devenu fort. Mmh. Et je crois d'où l'important. Et moi, je l'insiste depuis quelques semaines déjà devenir des chrétiens forts, c'est tout faire avant que les jours difficiles n'arrivent. Mmh. Si tu attends le jour difficile, c'est trop tard parce que le temps que tu puisses amagasiner un peu de versets, ça même pas le temps de se dissoudre dans ton organisme mmh. spirituel que L'ennemi rit de toi parce que voilà tu n'as aucune, aucune résistance. Après, il y a aussi des, des choses que... Bon, on a parlé beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, donc il des coups, etc. Il y a aussi des choses, malheureusement, qui viennent de l'intérieur, dont on as parlé de, de faiblesse, euh, qui sont en nous. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus dit ⁇ Nul ne peut servir deux maîtres ⁇ Parce que soit il va haïr un et aimer l'autre, ou il va s'attacher à l'un et il va mépriser l'autre. Il dit ⁇ Voilà, vous ne pouvez pas servir deux maîtres ⁇ et c'est la même chose si on a des faiblesses, etc., et qu'on commence à s'attacher à, à certains péchés ou à certaines addictions, certaines mauvaises choses, bah, on affaiblit automatiquement notre, notre nature spirituelle. Donc, si par exemple un chrétien, même il y a des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais euh, voilà, je commence à regarder une série télévisée, il y a une série euh, qui passe sur Netflix, c'est génial, paf, un soir, deux soirs, trois soirs, quatre soirs, avant je passais du temps à lire la Bible, et là pendant quatre soirs, voilà, je suis là dans ma série. En fait, des, des petites choses comme ça. Donc si on commence à s'attacher à des choses comme ça, bah, quelque part, on va se détacher du Seigneur. Ouais. Donc il faut vraiment pouvoir rester fort et avoir une vie équilibrée. Okay pour, il y a des temps de loisirs, l'Ecclésiaste dit, il y a des temps pour rire. Okay il y a des temps pour manger, mais aussi des temps pour jeûner, il y a des temps pour pleurer dans la prière. Euh, donc il y a des temps pour tout, il faut juste être équilibré. Et c'est aussi comme ça qu'on peut voir quelqu'un de fort. Quelqu'un de fort, bah, c'est quelqu'un qui a su manger, mais c'est aussi quelqu'un qui a su se reposer, c'est quelqu'un qui a su s'entraîner jusqu'à être à plat, à terre, etc. Mais après, il s'est nourri à nouveau. Mmh. Et c'est comme ça qu'il se muscle et qu'il devient de, de plus en plus fort. Voilà. Exactement, exactement. Omer, on va enchaîner avec toi. On va voir comment devenir ce chrétien fort en cinq actions à poser dans la rubrique Conseil du Coach. Donc Omer, on va enchaîner avec toi. On va voir comment être un chrétien fort en cinq étapes. Mais avant de voir ces étapes, on va voir quand même l'importance d'être bien enraciné, pardon, pour être fort. Effectivement, dans le verset du jour que nous avons lu, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2 verset 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermis par la foi, d'après les instructions que vous ont été données et abondé en actions de grâce. Donc déjà au départ, on voit qu'il y a quatre éléments que Paul souligne marcher, enraciné, fondé, affermis Et en fait, c'est que il décrit en plusieurs mots, quasiment euh, la même chose. Et donc, on, pour être affermi, ben, il faut euh, être enraciné en Christ. Et les racines sont importantes parce que dans la parole de Dieu, on voit que l'homme est décrit comme étant une plante. Il est comme, dans le psaume 1, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Et donc, les racines que le chrétien va développer, c'est ce qui va lui permettre, euh, premièrement, de se nourrir. Donc, les racines amènent la, les nutriments. Ça va lui permettre aussi d'être bien ancré dans son sol, qui fait que quand les tempêtes de la vie viennent, ben ce, ce, ce chrétien, il tient ferme et Dieu le sait. Et Jésus l'a dit que nous allons subir des moments de tempête, des moments difficiles qui vont venir. Mais si nous sommes bien ancrés et bien assis dans le Seigneur, nous allons pouvoir tenir ferme. Et aussi, ça nous permet aussi ces racines que nous développons à développer en fait des des réserves pour les temps difficiles. Donc on voit beaucoup d'arbres lorsque c'est la saison sèche, lorsque c'est l'hiver. Ces arbres, on regarde en apparence, ils ont l'air d'être morts, comme s'il n'y a plus rien qui va pousser. Mais parce que les racines sont profondes, en dessous de la surface, il y a les racines qui permettent à l'arbre de continuer. À passer par des temps difficiles. Donc ouais. voilà pourquoi c'est important de développer des racines profondes. Ouais. Donc ce qui nous amène à la prochaine question, pourquoi les gens sont-ils en fait mal affermis ouais. Parce que le grand euh, constat aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens vont à l'Église, ont la foi, mais sont mal enfermés. De euh, Pierre chapitre 2, le verset 14 nous dit, et en parlant de certaines... Euh, personne dans la foi, il dit ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal, afferm mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Le point ici, ce n'est pas tout ce qui est dit dans le verset, mais il dit qu'ils amorcent les âmes mal affermies. Donc on peut être en Christ. Mais on est mal affermi, oui. et voilà pourquoi ce qu'on trouve des chrétiens instables, ceux que l'apôtre Paul dit qui sont ballottés à toutes sortes de vents. Et donc à ces chrétiens-là, Dieu aimerait vous aider aujourd'hui à devenir des chrétiens affermis. Des chrétiens affermis, c'est des chrétiens qui vont devenir forts parce qu'ils sont bien enracinés en Christ. Pourquoi est-ce que les gens sont mal affermis Ils Sont mal affermis parce que eh bien, ils n'ont pas eu de tuteur au début de leur vie chrétienne. Ils ont accepté Christ dans la masse ou Christ à la télévision, mais ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur enseigner les voies de Dieu. Oui. Et parce qu'ils n'ont eu personne pour les enseigner les voies de Dieu, eh bien, euh, ils grandissent un peu comme on voit un arbre, un plant de tomate, un peu, voilà, un peu, travers, un peu hein. on dit au Québec, on dit croche, dit croche voilà, oui. un peu, un peu croche, un peu de travers. Ils n'ont pas eu de tuteur. Numéro deux, c'est qu'ils ont eu une mauvaise compréhension de l'Évangile. Sûrement, certains ont reçu l'évangile, euh, un évangile qui leur dit, "Ben, écoutez, venez au Seigneur, puis tous vos problèmes vont disparaître. Mmh. Venez au Seigneur, vous aurez la richesse. Venez au Seigneur, vous aurez des voitures. Une mauvaise compréhension de l'évangile fait qu'on est un chrétien mal affermi. Et quand des situations difficiles arrivent, ben, on est prêt à abandonner la foi parce que notre évangile que nous avons reçu ne nous a pas préparé à cela. Numéro trois, c'est l'attachement au mauvais enseignement. C'est que, oui, on a bien commencé la vie chrétienne, mais on a eu des enseignements qui nous détournent tranquillement. Et c'est ce que, en fait, l'apôtre Pierre parle ici dans 2 euh, Pierre, euh, euh, chapitre 2, le verset 14, de ces enseignants qui allaient de lieu en lieu. Et certains des enseignements qu'on peut recevoir, ça nous amène à nous attacher parfois plus à des visions, plus à, à l'homme qu'à la parole véritable de Dieu. C'est ce qui fait aussi qu'un chrétien peut être mal affermi ou au départ était bien affermi mais ses racines spirituelles ont développé des maladies et ça le Seigneur peut guérir cela et numéro quatre pour terminer bien c'est en fait des chrétiens qui n'ont pas maîtrisé les, les, les rudiments de la foi les enseignements de base de la foi. En fait, ils se sont convertis, puis quasiment tout de suite, on leur a enseigné sur la prospérité, les miracles, etc. Mais on leur a pas enseigné sur le renoncement, le renoncement à soi. Porter sa croix pour suivre, suivre le Seigneur. Ils, ils n'ont pas été bien enseignés. Donc, ça fait que même quand ces chrétiens commencent à servir Dieu, ben, puisqu'ils ont été mal affermis, ils produisent aussi des enfants spirituels mal affermis. Et donc, ce qui nous amène à comprendre que il faut maintenant être un chrétien affermi, un chrétien affermi, c'est un chrétien fort. Donc premièrement, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Pierre que pour être un chrétien affermi, il faut désirer le lait de la parole. Sans le lait de la parole, aucun chrétien ne peut être affermi. Vous voyez, la Bible ne dit pas de désirer le steak de la parole, mm -hmm. mais le lait. Le lait de la parole, c'est l'aliment de base. Sans la L'ingurgitation, je ne sais pas si le mot se dit en français, mmh. sans ingurgiter régulièrement la parole, même le chrétien le plus fort deviendra faible parce que c'est comme une plante qui ne reçoit pas de l'eau. Et cette plante, si elle ne reçoit pas de l'eau, même si ses racines sont fortes, la plante va mourir. Ça prendra du temps pour qu'elle meure, mais elle finira par mourir. Donc, action numéro un, le lait de la parole régulier. Action numéro deux, il faut régulièrement revenir dans ce que Hébreux appelle l'auteur des Hébreux appelle les rudiments de la foi, le renoncement aux œuvres mortes, le baptême, la, la comment dire les enseignements sur le retour de Jésus parce que ce sont tous ces enseignements qui font qu'on est fort. Parce que si je suis enseignement régulièrement enseigné sur le retour du Seigneur, ben je serai moins porté à faire à vivre dans le péché parce que je sais que ben le Seigneur peut revenir en tout temps. Ouais. Donc, je dois me préparer en tout temps à sa rencontre. Donc, quand les enseignements, de, de, les rudiments de la foi sont enlevés de, de, de la diète spirituelle, voilà le mot que j'ai cherché, mm -hmm. de la diète spirituelle du chrétien, on va produire un chrétien qui est faible. Qui, va, qui est faible pourquoi Parce que son alimentation spirituelle n'est pas équilibrée. Donc, les rudiments de la foi. Après le lait, il faut. Régulièrement revenir aux rudiments de la foi. Parce que c'est ça qui forme la base, l'équilibre du chrétien. Je suis équilibré dans le miraculeux. Je suis équilibré dans le, 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 le rhéma et le logos de Dieu. Je suis équilibré dans le, dans le prophétique. Je suis équilibré dans l'escatologique. Pourquoi? Parce que les rudiments sont bien assis. Tout autre enseignement de la parole de Dieu doit s'asseoir sur les rudiments. Si on ne maîtrise pas ça, tous les autres enseignements ne vont pas s'asseoir sur un terrain équilibré. C'est les rudiments qui font que je peux vérifier dans la parole ce qui m'est enseigné. Je ne prends pas, comme on dit en bon français, du cash, mm -hmm. tout ce qu'on me dit. Le 3, c'est le plus important et c'est là que Satan fait beaucoup mal aux chrétiens c'est s'enraciner dans la parole de Dieu. Afin de découvrir l'amour large, l'amour long, l'amour profond et la hauteur de l'amour de Dieu. Pourquoi s'enraciner dans l'amour de Dieu C'est ce que la paul dit. Qui me séparera de l'amour de Dieu C'est reste la hauteur, la profondeur. C'est ce les anges. C'est reste les démons. C'est ce l'enseignement des autres hommes. Pourquoi m'enraciner dans l'amour de Dieu Parce que au travers de la vie chrétienne, nous allons voir des choses qui parfois vont risquer de nous amener à abandonner la foi. Par exemple, lors de cette pandémie, lorsqu'on voit autant de gens morts, Satan viendra te dire, mais si Dieu est bon, pourquoi il permet ça Si Dieu est bon, pourquoi telle personne est décédée Mais quand je ne suis pas enraciné dans l'amour de Dieu, je me laisserai emporter. Mais quand je suis enraciné, je sais que qu'importe ce qui arrive, Dieu-même. Si je ne travaille pas, Dieu-même. Si je ne suis pas marié, Dieu-même. Si je, demain, on m'enlève tous mes biens. Dieu-même. L'enracinement dans l'amour de Dieu fait que je deviens un chrétien fort parce qu'en tout temps, je sais que Dieu-même... Puisque Dieu-même, je sais qu'il ne m'abandonnera pas, je sais qu'il ne me délaissera pas, parce qu'il a dit voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Or, le domaine où Satan va attaquer le chrétien, c'est de lui faire croire que Dieu est méchant, lui faire croire que Dieu est mauvais, lui faire croire qu'un Dieu bon ne peut pas permettre que un moment dans ta vie, il y ait une tempête qui arrive. Voyez, donc quand on n'est pas enraciné, la conviction profonde et la révélation que en hauteur, il y a l'amour de Dieu, en profondeur il y a l'amour de Dieu, en largeur il y a l'amour de Dieu, en longueur il y a l'amour de Dieu. Si je n'ai pas cette conviction en moi, quand les moments difficiles arrivent, tu vas être emporté parce que tu n'as pas cette révélation de l'amour de Dieu. Et c'était la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens, qu'ils aient la révélation et la compréhension de l'amour de Dieu. Numéro 4 quatre pour grandir dans l'amour de Dieu, c'est la communion fraternelle. Car la Bible nous dit de nous édifier par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Et pour être un chrétien fort, eh bien, faut être en compagnie d'autres chrétiens forts. Voilà, pas des chrétiens qui murmurent, pas des chrétiens, des chrétiens forts, des chrétiens qui veulent grandir dans le Seigneur, c'est dans cette communion quand nous sommes ensemble que nous allons maintenant nous édifier. Ça veut dire nous construire mutuellement pour devenir des chrétiens forts, des chrétiens solides. Et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment vivre en isolation. Ils vivent un peu, un peu comme, comme une île. Voilà, ils sont tout seuls, ils sont en contact avec personne. Eh bien, ces chrétiens-là ne peuvent ni savoir quand ils deviennent faibles, ils ne peuvent pas savoir quand ils s'éloignent du Seigneur, à moins que ce soient des circonstances qui ont fait que vous soyez dans, là dedans mais sinon la vie chrétienne a été faite pour vivre ensemble. Voilà pourquoi il y a des versets qui disent comme supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. C'est difficile d'aimer les autres lorsque je suis seul. Oui. Voilà, mais je peux pratiquer ces versets simplement quand nous sommes ensemble. Et numéro 5, eh bien ça c'est la clé, je pense c'est hébreu, chapitre 12, débarrassez-vous régulièrement des racines d'amertume. Mm -hmm. Car lorsqu'une plante a été plantée quelque part, eh bien, il y aura toujours des mauvaises herbes qui essayent de venir. Et le, le travail du jardinier, c'est d'enlever les mauvaises plantes. Pourquoi Pour permettre à cette plante qui a été la bonne plante de bien pousser. Et dans notre vie chrétienne, alors qu'on voit beaucoup de situations arriver, qu'on vit avec les autres, qu'on vit même dans ce monde simplement, on aura beaucoup de choses qui voudront produire en nous l'amertume. Si on n'enlève pas, on ne laisse pas régulièrement le Seigneur nous, nous épurer et enlever en nous, les racines d'amertume, cette amertume va faire que il y a des maladies qui vont attaquer nos racines spirituelles. Donc si on fait ces cinq actions, je crois par la grâce de Dieu, on peut devenir des chrétiens forts. Et le désir de Dieu, c'est que tu deviennes un chrétien fort, c'est que nous devenions des chrétiens forts, que nous nous maintenions jusqu'à développer la pleine stature. De Christ. Amen. Merci, Omer. Je récapitule les cinq actions. Oui. Mais réécoutez à la maison. Euh, désirez le lait de la parole. Comprenez et maîtrisez les rudiments de la foi, enracinez-vous dans l'amour de Dieu, oui. la communion fraternelle et finalement débarrassez-vous des racines d'amertume. Merci beaucoup. 100%. 100%, bah, j'ai triché, j'ai pris des notes. Hein. Ah. <laughs> Merci Omer, c'était vraiment très profond ce que tu nous as apporté et oui, je pense qu'il faut le réécouter pour pouvoir digérer tout ça et surtout le mettre en pratique. Donc vous pouvez être fort, soyez en certains. Si vous vous sentez faible aujourd'hui, sachez que vous pouvez être fort en mettant en pratique ce qu'on a partagé aujourd'hui et laisser le Seigneur vraiment vous fortifier de l'intérieur. On se retrouve demain, notre thème sera ⁇ As-tu un cœur de disciples ?⁇ Nous allons voir demain, ce sera peut-être une petite analyse personnelle que vous pourrez faire. Nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question et conseil du coach. Merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.